perso, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'un retour de course. Voilà, donc, deuxième retour de course de journée. J'avais fait des petites courses tout à l'heure. Et là, en fait, j'ai fait les courses pour demain. Parce que, en fait, j'avais demandé à un ami à moi d'aller à Auchan. Parce que j'avais la monnaie sur ma carte et du coup je voulais aller là-bas pour faire du coup plus de courses et pour pouvoir prendre les trucs pour demain, donc voilà, donc du coup on y a été aujourd'hui parce qu'il pouvait pas y aller demain, donc du coup il est invité demain évidemment, mais du coup vu que il pouvait que ce soir, donc du coup il m'a emmené gentiment ce soir faire les courses, donc voilà. Donc dans un premier temps, demain c'est pour un anniversaire, donc l'anniversaire d'un de mes frères. Donc du coup, là c'est pas moi sur ce coup-ci qui a pris ça, c'est notre ami, donc mon ami qui m'a emmené faire les courses. Il lui a pris ça, un superbe gâteau à la fraise et tout, franchement on va se régaler. Donc c'est un truc de 8 personnes, bon ça a coûté quand même 22,59€, ça coûte cher. Mais je pense qu'on va se régaler. Il y a l'air d'avoir au moins 2-3 couches. Là, on voit là, 2 couches de fraises et tout. Franchement, ça va être une dinguerie. Donc, c'est un fraisier de 8 personnes. Donc, franchement, je pense qu'on va se régaler. Bon, évidemment, dans les fraisiers, il y a une tonne de crème à chaque fois. Mais voilà, donc franchement, je pense qu'on va bien se régaler. En plus, il faut que je regarde si j'ai des bougies pour lui. Parce que je sais plus combien il y a là, mais ça va être des bougies. Donc, du coup, je vais pouvoir lui mettre des petites bougies dessus. Je vais le ranger du coup avant que ça soit imaginé. Et regardez mon frigo. Il y a des trucs dedans. Je ne sais même pas si je vais pouvoir ranger ça. Déjà ça, je vais ranger ça là. Ça, je vais ranger ça là. Ça là, le saucisson, je vais pouvoir le sortir parce que je vais le manger. Les cordons bleus. Ah ouais, j'avais oublié, j'ai acheté du... saucisson. Et je crois que j'ai racheté encore du saucisson. Ah non, j'ai pas acheté de saucisson. Non, je dis des conneries. Je crois que j'avais racheté du saucisson. Je me suis dit putain, j'ai racheté du saucisson. Donc on va le mettre là-haut. Ça, du coup, je peux pas mettre ça comme ça. Mais je peux peut-être mettre ici comme ça. Ouais. Voilà. Donc du coup, le frigo va rester dehors 5 minutes. Il va rester dehors 5 minutes. J'ai pris de la rosette parce que du coup, ça c'était en promotion. Il y avait un acheté, un offert. J'ai même pas vu du coup. Non, un acheté et l'autre à moins 30%. Faudrait que je regarde sur mon ticket. J'ai même pas fait gaffe si c'était bien passé à moins 30%. J'ai galéré tellement à la caisse. Donc, c'est des trucs comme ça. Donc, je mettrai ça pour demain. Il y en a 12 à l'intérieur. Donc, je pense que j'en ressortirai qu'un. Je vais pas sortir les deux. Comme ça, j'en aurai un pour moi cette semaine. Donc, j'en sortirai qu'un demain parce que ça sert à rien de sortir les deux, tu vois. Du coup, pour ce soir, vu que j'avais assez de sous, je me suis pris de quoi faire des hamburgers parce que, évidemment, j'ai sorti mon fameux steak haché du boucher que je vous avais montré la dernière fois. Enfin, vous avez dit que j'allais acheter du steak haché du boucher. Donc, du coup, je vais pouvoir me faire ça ce soir. Du coup, j'ai pas le choix de prendre une énorme salade. Donc, du coup, j'ai pris une énorme salade. Je me dis, au pire des cas, c'est pas grave, il y en aura pour demain avec le fromage. Du coup, j'ai pris des pâtes, des tortilles. Bon, j'adore les tortilles. J'ai pris 1 kg. Ouais, 1 kg parce que du coup, vu que demain, on est censé être 5 ou 7, je sais pas. Enfin, pour l'instant, normalement, on est 5 parce que du coup, il y en a 2 qui se sont désistés. Donc, on est censé être... 4 même. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, mes deux frères, moi, Anthony. Normalement, il y avait Cindy et son mec, on était 6. Non, en fait, on est que 4 ou 5. Ouais, bref. Je sais plus combien on est. Bref, du coup, il y aura la salade. Du coup, j'ai pris des lardons parce que je vais faire pâte carbonara. Donc, du coup, j'ai pris un gros paquet parce que les petits paquets, en général, il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai pris un gros paquet. Je me suis dit, s'il en reste, c'est pas grave. C'est un gros paquet de 500 grammes. Bon, c'est des E, hein, c'est la marque, la sous-marque. Hein. Mais là, j'avais pas trop de sous. Donc, voilà, des 500 grammes. Ensuite, j'ai pris de la mousse de canard, donc pareil pour demain, mais je sais pas si je vais tout sortir demain parce qu'en vrai, niveau entrée, je voulais faire ça. Si j'ai la salade, je ferai peut-être une entrée avec, donc je sais pas. Sachant qu'il y a ça aussi, donc je pense pas que je vais sortir la rillette, mais la mousse de canard, je pense que je vais me la garder parce qu'en fait, je voulais faire ça et en fait, je vais mettre ça, en fait, je vais faire des espèces de petits roulets et je mettrai ça et ça comme ça pour en manger les deux.
Et en fait, du coup, j'ai pris du jambon cru, mais de la marque Auchan. 200 grammes, pas de la sous-marque même d'Auchan. Donc voilà, il n'y avait pas l'air d'avoir trop de gras sur la tranche en elle-même. Donc voilà. J'ai dit, vas-y, je prends ça. Il y a 13 tranches, de toute manière, c'est pas pour moi. Moi, j'aime pas ça. Donc je ferai ça et ça demain ensemble. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Voilà, donc j'ai pris des knackis. J'en ai repris 6 parce que j'en ai 4 que j'ai décongelé parce que j'avais mis ça au congélateur et du coup je les ai décongelés. Voilà pour faire des knackis, de la pâte feuilletée avec des knackis. Voilà pour demain à l'apéritif. Ensuite là j'ai pris une tomate. Donc pour mon hamburger de ce soir je n'avais pas besoin de plus, mais elle est gars, une tomate. Ça m'a coûté 33 centimes les gars, une tomate. Non mais ça coûte grave cher quoi. Genre, bref, du coup je la laisse de sortie. J'ai acheté évidemment des petites tomates cerises, alors j'en avais pas forcément besoin en sachant que j'en ai racheté aujourd'hui. Mais bon, voilà, je sais même pas où elles sont d'ailleurs. Ah si, je les ai mises là. Voilà, bon bah après, voilà, je ferai pas pour de tomates cerises, ça c'est clair et net. J'ai pris des champignons parce que du coup je vais faire ça avec les lardons. En fait, je vais faire les pâtes, la crème fraîche et les lardons. Du coup, j'ai pas racheté crème fraîche parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma vidéo d'avant, j'ai acheté 2 pots de crème fraîche. Donc voilà, ça sert à rien que j'achète de la crème fraîche. Donc voilà, donc du coup, j'ai mis des champignons parce que moi, je vais rajouter avec. Il y a un de mes frères qui n'aime pas ça, donc du coup, je vais pas le mettre. Pareil, pour un mini oignon comme ça, s'il te plaît. 33 centimes aussi. Voilà, donc un peu cher l'oignon. Après, j'ai pris de la marque Auchan, je sais pas ce que ça va donner. Mon maman, fromage, ail et fines herbes, ça c'est un truc que j'aime bien. Donc du coup, j'ai pris ça, mais de la marque Auchan. Parce qu'évidemment, un de mon frère qui fête son anniversaire demain, auquel je fête son anniversaire, s'il n'y a pas de fromage, il va gueuler. Donc du coup, j'ai pris ça et j'ai pris ça. Donc du colomier, voilà, moi j'aime bien le colomier, donc je l'ai pris. Aussi parce que j'aime bien aussi, tu vois. Voilà, pour ça je peux sortir ça directement. Voilà, donc du coup le fromage pour demain, parce que mon frère sinon il va gueuler qu'il n'y a pas de fromage. Vous connaissez, hein. J'ai repris de la rillette parce que j'ai mon deuxième frère, parce que du coup j'ai deux frères. J'ai mon deuxième frère qui fait pas son anniversaire mais qui aime bien la rillette. Et vu que j'avais déjà un pot de rillette, mais qui a commencé, donc du coup bah, je vais mettre celui-là et s'il y en a besoin je mettrai l'autre. Comme ça au moins j'aurai de la rillette, mais du coup ça fait rillette et pâté, ça va faire beaucoup de trucs. Mais c'est pas grave, au moins j'en aurai pour plus de 15 jours. J'ai repris de la bolognaise parce que je me suis dit au cas où si moi j'ai envie de faire de la pâte bolo la semaine prochaine, j'ai de quoi avoir de la bolognaise. Après j'ai pris du coca pareil pour mon autre frère qui fête pas son anniversaire mais 1,75 L parce que je sais qu'il aime bien le Coca-Cola et que je sais qu'il va pas boire parce que tout simplement il va reprendre son scooter après parce qu'il va rentrer chez lui, le connaissant. Et ensuite j'ai pris une petite binouze donc pour mon fameux frère qui fête son anniversaire. Donc une binouze blanche, rosée, Bruxelles. Donc en fait la bouteille me plaisait, j'ai dit bah vas-y je vais prendre ça, il va tester ça. C'est une bière, avec de l'alcool et tout le bazar. Enfin en gros je sais même pas s'il y a de l'alcool. Ah si, 4,5% de vol. Voilà. Donc du coup j'ai pris ça, j'avais pas trop de sous donc je me suis dit bon bah c'est toujours ça, ça fera un petit cadeau, voilà. Ça lui fera plaisir, il pourra boire ça à l'apéro. Et au moins il y aura que lui qui aura ça parce que du coup au final bah il y a que lui qui aura ça parce que c'est pour lui, pour son anniversaire. Du coup, enfin pour le coup c'est pour son anniversaire. Donc ça sera pour lui. Donc voilà, moi je vais manger tout ça. J'espère que mon petit retour de course vous aura plu. Enfin mon deuxième de la journée vous aura plu. Moi je vais aller faire mes petits hamburgers. Voilà, m'occuper de mes petits hamburgers, ma petite salade. En plus, la salade, comment te dire, que pour moi toute seule, j'ai pas pu prendre une salade plus petite, parce que c'est la plus petite que j'ai vue, et qui était à peu près bien. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave, au pire des cas, demain, les gars, ils mangeront ça avec le dessert, et au pire des cas, je ferai une petite vinaigrette maison. Voilà, non pas pour le dessert, je suis con pour le fromage. Voilà, mon grand petit salade avec le fromage. Voilà, ils vont aimer, ça sera une pépite. Voilà, pour un peu dans le magasin, petite anecdote, j'ai failli prendre 2 desserts. Con que je suis, parce qu'en fait notre collègue a pris, enfin mon ami a pris la tarte, enfin pas la tarte aux fraises, mais le truc à la fraise là. Et moi, dans le magasin, je lui prends pas quoi, je lui dis, ah bah tiens, vas-y, on fait de la crème, on prend de la crème anglaise et on prend un gâteau au chocolat à faire nous-mêmes. Enfin, faire, tu vois.
à cuire. Et il me regarde, il me dit, mais t'es con. Je dis, bah pourquoi voilà, quoi, pour le dessert, quoi. Il me regarde, il me dit, mais t'es bête, on a pris un fraisier. J'étais là, je dis, ah oui, c'est vrai. Je dis, il me dit, bah heureusement que je suis là. Hein. Je dis, bah alors là, je dis carrément, heureusement que t'es là, parce que sinon, je prenais double dessert pour demain. Donc voilà. Mon frère aurait eu double dessert, mais voilà, franchement, des fois, j'ai une tête en l'air. Enfin, phénoménal, des fois je me demande enfin, voilà, je me demande pourquoi j'ai une tête en l'air comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi du coup j'espère que mon retour de course vous aura plu. Moi je vais aller m'occuper de mon petit hamburger. En plus, je vais me régaler parce que c'est le steak haché du boucher. Bon, c'est un steak haché que j'ai congelé parce que du coup j'en avais pris 4. Et voilà, donc du coup c'est un bon steak haché du boucher. Il m'a dit de bien le mettre au congélateur et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi à la lettre et du coup j'aurai un bon steak haché du boucher dans mon hamburger. Donc voilà, donc moi j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. A bientôt.